Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence sur la chaîne. Évidemment, là, je profite parce que il fait beau, il fait chaud, ça donne pas envie de sortir. Et prochainement, la fibre arrive enfin chez moi. Donc déjà, ça va être un bon point pour moi. Ça me fait extrêmement plaisir. Et on va quand même lancer le jeu en attendant. Donc, comme je disais, la fibre arrive enfin. Donc déjà, les streams vont pouvoir se lancer à partir du 19 août que j'aurai la fibre. Je sais pas à peu près quand est-ce que la vidéo là déjà sera mise en ligne, parce que je suis toujours en ADSL, évidemment. Mais ça fait plaisir aussi, c'est de faire des vidéos à nouveau, et surtout de prendre de l'avance, comme ça au moins quand j'aurai la fibre, s'il faut, j'aurai déjà un tas de vidéos en cours, ou même achevées. Ce qui fait que ça sera déjà un bon point. En plus là je suis en train de finaliser une chronique sur un perso que j'adore. Donc en plus de ça, c'est vraiment le top du top. Là. Alors, on va se relancer sur le combat. Là, on est sur PS4, hein, c'est plus la version PS3 avec un framerate à 30 FPS et tout. Et en plus, l'avantage, c'est que le jeu est quand même largement plus beau. Voilà. Donc, on s'était arrêté au moment où le professeur Young avait été embarqué par, si je ne me trompe pas, c'était Harley Quinn. Ah non, le docteur Young est là. Donc, ça veut dire que maintenant, il va falloir chercher... Voilà. Vous savez contourner ces portes de sécurité? Avant qu'elle meure, elle m'a dit qu'il y avait un laboratoire caché dans les jardins. Les protocoles de sécurité Wayne Tech résistent au piratage. Lucius a bien bossé. C'est une séquence biométrique en deux parties générée par le directeur à l'aide d'un séquenceur. Et détruite par le Joker dans l'explosion du coffre. Harley Quinn a le directeur. Il est notre seule chance de passer les portes. Ok, bonne chance. Bon, comme on voit, le jeu est quand même beaucoup plus beau que sur PS3. Allez hop, c'est parti. Voilà. Une petite analyse et on sait où aller. Qu'à suivre les traces de sang pour le savoir. Voilà, si vous ne me trompez pas, c'est dans cette direction. Et je crois qu'on va avoir un truc. Enfin, que je me souvienne des touches. Parce que vu qu'ils ont inversé certaines touches, enfin, il y a des trucs qui sont modifiés par rapport à la version PS3, il faut que je me réhabitue vite fait. Donc là, toujours à la recherche de Sharp. On est dans le tunnel. On attend Batman. Quinn vient d'entrer. Pourquoi le vieux est avec elle? Elle aime peut-être le fossile. Ferme-la, tu vas tout faire planter. On se calme. Dis-lui de la boucler. Allez. Bon, t'as compris? Ouais. Vous savez où me trouver, à plus. Crétin. Bon, comme on voit... Ah, se baisser, c'est comme ça, ok. Ils ont pas l'air d'avoir... Ouais, ils sont tellement concentrés sur ce qu'ils font. Merde, c'est vrai, j'avais oublié ça. Voilà. Il fallait faire la boulette. J'avais oublié qu'ils avaient leur collier anti-suicide. Je suis une andouille. Bon. Il y a quelque chose à récupérer par là. Non. Continue la route. Lâchez-moi, espèce de taré. Le gros vilain parle mal. Allez, bonbon. Batman, tu viens jouer avec nous ou pas? J'arrive, Harley, j'arrive, laisse-moi le temps.
Un monsieur est pendu. Il y a 10 minutes, j'ai rendu illégal le fait de marcher n'importe où dans l'asile. Toute personne prise en flagrant délit sera... Non, j'ai pas encore... C'est stupide. Toute personne prise en flagrant délit se verra amputée de ses jambes et fera des tours de magie à l'empereur Joker. Voilà. C'est quoi ces menaces? Pourquoi est-ce qu'il commencerait par ouvrir l'accès à ce tunnel? Tu remets encore le patron en cause? T'as fait que te plaindre depuis qu'on s'est cassé. Ouais, le Joker fait descendre sa petite amie et nous dit de garder le tunnel. On garde le tunnel. C'est Batman! Allez, c'est parti. Voilà. En douceur. Et voilà, ça suffit, on est tranquille. Pour l'instant, on s'en sort bien. Les énigmes de l'homme mystère, c'est pas trop mon délire. On va avancer. Ah, quand même, le jeu est vraiment plus beau que sur PS3. Et sur PC même. J'ai les trois versions au final maintenant. C'est vraiment plus joli. Je vois. De les décharger dans la... Je ne peux pas dire ça. De les décharger en pleine tête. Allez, viens par là, toi. Voilà, ça c'est fait. Bon, il n'y a pas d'autres snipers, donc on est bien. On va juste monter là-haut. C'est coriace quand on n'est pas ligoté. Il est là! Hop, comme ça, on est vite débarrassé de lui. C'est fou, j'ai l'impression que le perso est beaucoup plus réactif que dans la version PS3 ou PC. Ah, c'est pas bien. Il m'a foiré le finish. Tant pis. Voilà, j'ai aidé le monsieur. Et maintenant, il faut que je reprenne ma route pour char. Alors. Voilà. Ils ont mis, à mon avis, c'est le bâtiment à gauche. Voilà. Dites-moi tout. Ah non, c'est le bâtiment de droite. D'accord. Il y a plein d'endroits que je peux pas encore visiter, c'est ouf. C'est dingue! Ah bon, en fait, c'est... D'accord. Bon, bah, c'est juste que le jeu, il a décidé de pas me montrer. Il a pas voulu! Il m'a dit non. On va pas s'occuper de... des trucs comme ça. Aïra, ça va? Carrément. C'est Batman! Voilà. Ah, c'est pas possible. Et le coup de pied. Un coup de pied qui fait mal. Bon. On remet la vue nocturne. Enfin, la vue d'analyse. La detective view. Ouais, c'est ça. Faut que je passe de ce côté. Hop, comme ça. On ferme un peu.
pas y aller maintenant, ça sert à rien. Batman. Ah ouais, là ça va commencer à devenir un peu plus chaud. C'est un peu plus Shogun the Night. C'est bien ça, c'est bon. Voilà. Bon, pour le moment ça va, on s'en sort bien, c'est pas trop le bordel. Ah, on va voir la femme fatale. Je ne suis pas vraiment fan des fleurs, Ivy. Ne bouge pas de là. Je n'ai pas besoin que tu t'échappes. Moi, bébé, je vous sauverai. Toujours aussi jolie, Poison Ivy. Dans tous les Batman. Enfin, presque. Par contre, elle pleure un peu trop, Mango. Allez. Voilà, Sharp, il est là-haut. À l'aide ! Mais oui, j'arrive. Regarde, je me dépêche. Mais oui, t'es beau. Je suis là-haut ! Lui, il a froid. Bon, pour le moment. Peut-être le grappin. Pas de grappin. Pas de grappin. Pitié, au secours ! Aidez-moi ! 2 secondes, pépère, 2 secondes. Ah. Vous devez me sortir de cette cellule! C'est moi, Cash! On a besoin de moi! Mais je oui. Peux aider! Allez! Sortez-moi de là! Je sais pas, je trouve ça un petit peu louche. Bah. Ah, c'est pas possible, ça y est, je me paume. Je m'embrouille dans les chemins. Voilà. Si tu veux, je te passerai un peu de shampoing. Les plantes, tu ne les entends pas. Je les entends hurler de douleur. Ah ouais, j'ai pas vraiment le temps, là. S'il te plaît, laisse-moi sortir, elles vont mourir sans moi. Je sais pas, Ivy. Tu n'es pas sur la liste des invités, tu sais. Alors? Oh, pitié. Oh, et puis tant pis, je te fais une place. Les meilleurs amis du monde. Par contre, la culotte feuillage, un peu space. Oh, c'est une brave gamine. Je pourrais regarder ces filles pendant des heures. Quelle folie, non? En parlant de folie, voici un peu d'agitation que j'ai mis jeter rien que pour toi. Youpi! Qu'est-ce que vous attendez? Il a pris le contrôle des systèmes de sécurité. J'ai le générateur de séquence, mais sans le terminal de mon bureau, il ne sert à rien. Le terminal a été détruit. Donnez-moi le séquenceur. Quoi ? Oh, oui, bien sûr. C'est inutile. Vous n'irez nulle part sans le code entier. On est coincé ici. Ça, c'est pas un souci. Je sais comment ça marche. Il y a toujours une issue. Bon, d'accord. Toujours. Le séquenceur. Voilà. Tac. Ok. Oh, bah, parfait. Restez ici. Verrouillez la porte quand je pars. Bonne idée. Quelqu'un de mon importance entre leurs mains. Sortez-moi d'ici!
Vous avez sauvé le mauvais directeur. C'est un imposteur. Vous savez qu'il y a des tas de fous ici. Batman, c'est moi, le directeur. Vous savez bien. Vous ne pouvez pas me laisser enfermer ici. Batman, c'est moi, le directeur. Vous savez bien. Ouais, bon, ok. Ah, bah voilà, il a changé. C'était bien celui que je pensais, gueule d'argile. Évidemment. Bon. Allez, c'est parti. Pour retourner dans la cage aux fauves. Oh, plus de Poison Ivy. C'est étonnant. Il n'y a plus un cinglé. Ah, oh, c'est pas possible, j'ai appuyé. Bon, je suis un peu plus attentif. Merci. Je ne sais plus ce qu'il faut faire ici. Bon, c'est pas grave. C'est pas un souci au final. Surprise! Ouh, enfin que je me rappelle. Oh, Batman, il y a toujours eu de la tension entre nous. Ça se concrétise. C'est un choc. Viens me chercher, Batman, si t'es cap. Bah oui. Ah bah voilà, il fallait juste faire ça. Quelle bande de crétins. C'est plein d'armes à feu ici. Hop. On en élimine déjà un qui gêne. Ça a l'air de faire mal. Allez les filles. Hop. Voilà, toi tu touches pas aux armes. Tu pourrais être blessé. Allez viens. C'est un peu bizarre là, ce qui s'est passé. On dirait un léger bug. C'était aussi facile que ça. Eh bien, essaie un peu de m'attraper. Allez, si je t'attrape. Je t'attrape. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah bah parfait. Système de pacification des patients désactivé. Ok, bon, on va prendre une petite amélioration quand même. Augmente la puissance du batarang standard. Non. Ah, je prendrais bien, ouais, les amplificateurs de portée. Je serais bien tranquille comme ça pour pirater les prochains trucs. Alors. Je sais qu'il faut que je descende, mais je regarde s'il n'y a pas des objets à récolter pour gagner de l'XP. Pas d'XP dans le coin? Non. Rien du tout. Ah. Voilà.
comme ça au moins j'ai fait tous les passages. Ok, ici c'est bloqué. Voilà, c'est par là que je dois aller. Ok. Hop. Bon, je vais l'éliminer, comme ça je serai débarrassé. Voilà. Ça, c'est fait. Non, je crois pas que ça soit par ici que je... Non, c'est pas par là. Donc c'est bien par le chemin que je pensais. Les petits escaliers. Scannez-moi, monsieur. Merci bien. Ah oui. Mais regardez qui est venu. La chauve pourrie est là. Ça oh, c'est nul. Bon, on est bien parti. Tu me manques pas. Oh, et il ne te reste plus que 30 secondes pour sortir. Bye bye. Il faut défoncer cette porte de sécurité. Vite. Ah, j'ai mon joystick droit qui commence à déconner, on dirait. Allez, c'est... Voilà. Voilà. Vous allez mourir tous les deux ici. Mais non. Vous êtes en sécurité. Vous recherchez cette sorcière? Je l'ai vue franchir la porte quand elle est sortie de la salle. Elle ne s'en tirera pas. Je l'arrêterai. Et son copain aussi. Bien. Bon, je vais aller essayer de relancer le système de ventilation. Si vous la trouvez, ne flanchez pas. Pour moi. Et pourquoi je flancherai, mon petit bonhomme? Alors, que je me souvienne du chemin à prendre. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Juste un truc. Oui, donc elle était là. C'est bien ce que je me disais. Elle était là, machin. Là, il n'y a rien à récolter. Ah, si, il y a un petit truc à récolter. Évaluation de patient enregistré numéro 5. Victor ne répond pas bien au traitement. Victor, on va tout pirater. Des gens que vous avez tués. Ah, les zombies. Ce sont tous des gens. Ce sont les zombies. Continuant à vaquer. Voilà. En attendant que quelqu'un les libère. Les tuer, vous voulez dire. Je ne sais pas par contre si elle est passée. Non, c'est pas par là. Donc c'est bien le chemin indiqué là. Tu parles d'une chance? Touchez le Wistiti. Oula, d'accord, ça bloque. Allez, viens donc, tu fatigues. Laisse-moi te donner un coup de main. Ah, ça va sûrement le combat pour capturer Harley, ça. Viens,
Ah oui, il y a un crétin là-haut. Il y a un crétin là-haut. Alors. Le truc, il est... Ah oui, c'est vrai. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est bien ça. Hop, et voilà. On fait ça. Parfait. Pour l'instant, ça avance bien, ça avance bien, tranquillou. On va pas tarder à arrêter l'épisode quand même, mais ça avance bien. Nom du patient, Victor Zahn. Pour information, le patient a été transféré du docteur Cassidy en congé depuis l'incident de la semaine dernière. Bonjour, Victor. Salut, toi. Voilà, couchez, toi. Garde, vous pouvez nous laisser. Désolé, docteur. Ordre du directeur. Je peux pas vous laisser seul avec lui. Je comprends. Bonjour, Victor. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Je pense... Je ne peux pas vous aider si vous ne parlez pas. Déprimé. Ça vous aide? Pouvez-vous entrer dans mon esprit, docteur? Pourquoi déprimé? Je pense simplement à celle qui est partie. Celle que j'avais choisie. Ah ben voilà. J'avais besoin de la cicatrice. Oh, la cicatrice! Bah, je reviens là. Ah oui, non, c'est bon. Ok. Qui veut le premier bourre-pif? Courageux. Ah. Touche pas au bâton, ça fait... on peut se blesser. Ah d'accord. Hop. Dodo. Bat bacon, non mais... Allez, je t'ai déjà vu en meilleure forme que ça. Ah oui, c'est vrai. Voilà, comme ça au moins, c'est fait. Faut que j'arrive à garder mes execs pour ce genre d'ennemi. Débarrasser de celui-là. Et voilà. Il a recommencé. C'est impossible. Oui. J'arrive tout de suite. Oups, changement de plan, petite. J'ai fait de mon mieux. Désolé, je n'aime pas les perdants. Je te raye de la liste des invités. Ça ira mieux la prochaine fois. Non. Silence.
Pourquoi y a-t-il des sourires devant certains noms? C'est toi le détective, à toi de me le dire. Ça c'est fait. Tu vas voir quand Monsieur J me retrouvera. Tu regretteras ce que t'as fait. C'est ce qu'on verra. Ouais, c'est ça. T'as raison de t'en aller, tu vas voir. Ouais, tu vas voir. Oracle, c'est bon. Harley est maîtrisé et j'ai scanné ses empreintes. Vous pouvez trouver le labo secret dans les jardins. Oui, Harley est allé partout sur l'île. Je règle le scanner pour qu'il n'affiche que les empreintes contenant des traces de chlorophylle. Bon, écoutez, soyez prudents. J'ai reconfiguré un satellite pour qu'il affiche une analyse thermique de l'île. Les jardins sont chauds. Il s'y passe quelque chose d'anormal. Et voilà, on aura fini cet épisode, on va pas trop le surcharger en durée, ça sera un peu idiot. Donc voilà, pour cet épisode où on aura mis hors d'état de nuire la gentille et la gentille, même moi j'y crois pas, on va dire la petite Harley Quinn, voilà, qui est là, qui est toute triste. Monsieur J reviendra pour moi. C'est la vie. Il me fait marcher, c'est tout. Et voilà. Donc, on aura mis en cellule la petite Harley Quinn, on sera tranquille pour le moment. Donc voilà, pour cet épisode on va s'arrêter là, comme ça au moins ça dure pas trop longtemps comme les autres épisodes, même moi je me suis dit que ça faisait beaucoup trop de temps à regarder. Voilà, bon bah je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine, allez, ciao.